Bonjour, je m'appelle Émilie et bienvenue chez Émi Création. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire utiliser la boîte à pochettes qui est en vente lundi 21 novembre seulement avec 30% de rabais. Donc, un beau rabais pour une belle petite planche qui fait vraiment des super belles boîtes. Oui, elle est même trop grande. Je peux même pas vous la voyez en entier sur la caméra. Ça, c'est fou. Je suis trop près. Donc, cette petite boîte-là fait... Je suis en centimètres. Là, on va tourner en pouces. Elle fait 2 et 3 quarts par 7 et demi. Et elle fait 2 pouces de large. Puis pour celles qui veulent savoir en centimètres, tant qu'à faire, j'y suis. Fait à peu près 6,5 par 19 centimètres de haut par 5, un petit peu plus que 5 centimètres de large. Donc, super belle boîte. J'avais envie de fraîcheur. Alors, je me suis dit, tiens, on va prendre le papier étal de fruits. Puis avec... les pyramides de cœur, j'ai mis le beau sentiment Viriem. Il y a plusieurs façons, plusieurs sortes de pochettes qu'on peut faire. Là, je vais vous en montrer une que j'aime bien dans le sens où dans celle-ci, on a un petit rabat. Sinon, on pourrait ne pas avoir de rabat du tout et puis mettre une petite épingle, quelque chose comme ça. Ça tiendrait aussi. Ou un ruban... ça marcherait tout aussi bien. J'aime bien la forme avec le rabat ici. Donc, vous avez plusieurs largeurs possibles. Donc là, j'ai pris la largeur S, mais il y a S, M et L. Et puis, on peut prendre un papier de hauteur qui va être entre 4 pouces et... Entre 4 pouces et 12 pouces, pardon. Puis moi, j'ai pris 10 pouces. Voilà, comme ça, elle est assez grande. Je vais en faire une pour une amie dont c'est bientôt l'anniversaire. Puis comme ça, je vais pouvoir bien la remplir de plein de bons chocolats. Donc, moi, je la tiens comme ça, cette petite planche. Donc là, j'ai mon carré 10 par 10. J'ai choisi le papier... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, hein? Le papier de la mer, là, moi, je l'appelle. Comment il s'appelle celui-ci, hein? Vous voulez m'aider? Design sur le rivage. Mon ami adore tout ce qui est marin. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire celle-là, avec cette boîte avec ça pour elle. Donc, j'ai ma petite ligne ici pour faire le S. Donc c'est ça que je vais prendre. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici comment ça part. On commence, enfin moi je commence toujours d'ici en fait. Donc, il y a une grande, une grande section donc qui va d'ici jusqu'au M. Puis après, on fait la section du milieu. Puis on refait une deuxième section entière comme ça. Puis une autre section qui est celle du milieu, là où il y a le pli. Ok, vous allez voir, ça va être plus clair quand je vais le faire. Donc, on se place ici, puis ici, on regarde, ça s'enfonce quand même pas mal, c'est normal, ça va faire le petit rabat qu'on voit là. Donc, je vais me mettre à la ligne de départ ici. Je vais me lever encore parce que c'est fixé, petite planche, moi, il faut que je me lève. Donc, je vais faire ça, je fais ma petite rainure ici. Je ne vais pas jusqu'au bout, vous voyez pas, je vais me monter. Ici, là, sinon je vais abîmer mon papier, mais comme je vais aller dans l'autre sens, du coup, je vais pouvoir rainurer jusqu'au bout après. Puis là, je vais rainurer dans l'autre sens. On évite, comme c'est du papier à motif, d'appuyer trop trop fort non plus, sinon on va abîmer son papier. Puis j'ai punché en premier, ça c'est bon. Ensuite, je viens me réaligner mon guide avec ma rainure ici. Je perfore, je fais ma ligne horizontale. Et là, je suis au milieu, donc je vais faire la petite ligne du milieu avec mon petit triangle au milieu et ma ligne. Ensuite, je me réaligne avec la dernière ligne verticale. Je punch, je fais ma ligne horizontale. Là, je ne me trompe pas, j'en suis
à une des faces de devant. Donc je fais le S et ma dernière, je vais m'aligner toujours avec ma dernière ligne verticale. Je perfore, je fais ma ligne horizontale, donc là je suis sur le côté. Donc je fais mon petit triangle et ma petite ligne de côté. Puis là j'oublie pas quand même, je vais aller sur ma dernière ligne verticale pour finir mon dernier rabat. Puis c'est normal que vous ayez ça, c'est comme le modèle, hein? Ça va permettre de coller. C'est ça, donc on pourrait rester comme ça puis avoir une boîte comme ça avec ça, c'est pour le bas en fait, puis ça plierait comme ça. Mais moi, je vais mettre des rabats aussi de l'autre côté. Donc, je vais aller tourner mon papier de l'autre bord pour refaire la même chose que tantôt. Je démarre à ma ligne de départ. Je perfore. Je fais ma ligne horizontale. Je m'aligne avec le S. Puis là, je retombe sur ma même ligne que tantôt. Donc, en fait, elles se rejoignent. Donc, c'est pour ça que je disais de ne pas aller jusqu'au bout. Ça ne sert à rien puisqu'on les refait après. Je m'aligne avec la ligne que je viens de faire, je perfore, je fais horizontale, je fais ma ligne de côté qui se rejoint. Là, je ne fais pas mon triangle parce que ça va être en haut. Donc, je veux avoir mon triangle en bas, mais pas en haut. Je me réaligne, je perfore, je continue ma ligne horizontale, je fais mon S, ma ligne S, je continue. Je me réaligne, je perfore et je fais ma ligne de côté et je fais pas mon triangle. Et ma dernière ligne, je vais ici. Donc, oups, hey, vous êtes tombé. Mon système n'est pas au point. Ah, hop, je vais refaire une petite vis, resserre une petite vis puis vous êtes de nouveau là. Donc là maintenant, ah oui quand même là j'ai oublié, ok j'ai oublié quand même, ah non ça je l'ai fait c'est bon, c'est celui-ci, j'ai oublié juste un petit peu de prolonger ma petite ligne ici, ça va juste plus facile pour après. Donc avec mon ciseau je vais couper ici pour avoir une belle... bien coller, que ça soit joli, une belle boîte. Donc je peux enlever ma planche, j'en ai plus besoin. Maintenant je vais plier sur les marques que j'ai faites et je vais passer à l'étape pour coller. Donc là où j'ai les triangles, ici ça va être le bas. Donc, soit avec votre Fast Fuse, votre colle rapide fusion, ou... Il est passé où? Moi, j'aime bien le petit ruban adhésif pour les projets 3D. Donc, je vais aller prendre ceci. J'adore vraiment pouvoir l'arracher à la main, là. Tellement plus facile. Hop. On va ensuite enlever la petite protection. Puis pour aligner, tout simplement, on reste comme ça, puis on a juste à rabattre le papier, puis ça va s'aligner tout seul. Ok, donc ça, on va laisser en arrière. C'est juste pas moche, mais c'est un petit peu moins joli. Ensuite, j'ai encore oublié de mettre les adhésifs, mais c'est pas grave, on peut les mettre après. Le bas de ma boîte, donc non, pardon, les petits triangles sont là. Ça, c'est le bas de ma boîte. Oh, ben, j'ai oublié de mettre ici. Donc, ici, j'ai là où j'ai collé. Donc, ça, c'est le derrière, on va dire. Donc, pour faire joli, je vais mettre de l'adhésif ici pour coller ici pour faire plus joli rabat. Non, ça ne changerait pas grand chose si je le mettais de l'autre côté. Morceau de mon ruban. Je colle ici. Hop.
Et voilà. Je vais mettre ma main de l'autre côté. Oups, je vais mettre ma main de l'autre côté pour le faire. Elle est grosse de boîte, hein, elle ne rentre pas bien dans la caméra. Donc ensuite, je vais me faire un rabat. Donc, je vais avoir besoin... Hey, pas si je vous avais tout vu hein, jusqu'à présent, excusez. Hein. Je vais aller enlever ici, ici, puis celui de devant parce que je veux rabattre. Donc, j'aurais pu le faire avant. Hein. C'est juste que j'ai toujours peur de me tromper. Alors, du coup, c'est pour ça que des fois, je le fais après. Et la dernière. Là. Et voilà, c'est plus qu'à rabattre. Définitivement trop grande pour ma vidéo. C'est pas grave, j'en voulais quand même une grande. Parce que je veux mettre plein de chocolat dedans. Donc voilà, ma petite boîte est prête. J'ai plus qu'à faire ma petite décoration dessus. Comme c'était pour un anniversaire cette fois-ci, avec le jeu des temples, fleur d'anniversaire, que j'adore utiliser la fleur pour faire de l'aquarelle. J'ai choisi le vœu le plus joyeux des anniversaires, que j'ai découpé avec les nouvelles découpes forme à coudre, qui sont en ovale, rond et carré. Donc, ça rajoute vraiment une petite touche, comment dire, délicate, je trouve. Et comme sont chez Stampin' Up, tout est coordonné, c'est ça que j'adore. Il y a les pyramides d'ovale qui sont coordonnées. Donc, j'ai pris une des ovales, qui était festonnée. Puis, je l'ai découpée en macaron à la menthe. Puis, j'ai une super belle bordure en arrière. Donc, je vais aller coller ça. Puis, avec mes dimensions. Je vais pas trop loin, parce que sinon, ça va déborder. Parce que c'est un petit peu plus large. Je voulais pas être sûre de pas déborder. Donc, quatre petites points mousse. Et... mon petit vœu. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Je la ferme pas tout de suite. Je vais y mettre mes chocolats. Toujours mes Ferrero, parce que mon amie est comme moi. Elle adore les Ferrero Rocher. Puis je pense que je vais pouvoir en mettre pas mal dans cette belle boîte. Voilà, ben j'espère que vous avez aimé voir comment on utilise cette planche à faire des pochettes, cadeaux. N'hésitez pas à me faire un petit pouce, un petit thumbs up, comme ils disent en anglais, là, un petit pouce en l'air, si vous avez aimé la vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des dernières vidéos que je publie. À très bientôt. Bye.